Et voilà, et sinon, bah écoutez, ouais les gars, franchement, pas grand-chose en ce moment. Que vous dire de plus, si ce n'est que je pense que vous avez tous comme moi suivi un petit peu les actualités, l'annonce de Rockstar et la vidéo que j'ai faite dessus. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Elle est courte, elle fait 4 minutes, je crois. Je donne mon opinion sur l'annonce de GTA 6. Même si c'est pas, il n'est pas nommé tel quel, mais en tout cas, enfin bref, voilà. Et en fait, plus j'y pense à cette annonce, et plus je trouve que c'est pathétique ce qui se passe avec Rockstar. Et franchement, ça commence vraiment à me gonfler sévèrement l'attitude de Rockstar, parce que je les reconnais plus en fait. Moi qui suis né, allez, je vais pas dire que je suis né avec Rockstar, avec GTA dans le biberon, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, moi, j'ai joué au premier GTA, j'ai joué à tous les GTA. Ça a fait mon adolescence, ça m'a permis de construire un peu ma personnalité, entre guillemets, on va dire. Et comme à tous les gens, je pense, de ma génération, qui étaient plus ou moins dans le jeu vidéo. Et là, franchement, là, ce qu'ils ont fait Rockstar, je vous le dis clair et net, pour moi, c'est ils ont utilisé le nom GTA pour couvrir le bruit. De tous les scandales qui. Enfin, de tous les scandales, c'est un peu fort comme mot scandale, mais de tous les trucs qui puent la merde qui se passent depuis quelques mois, là, à savoir le fiasco de la trilogie GTA, le hashtag Save Red Dead Online qui les met bien dans la merde parce que ça a été en tendance pendant 3 semaines. Donc, bref, voilà. Et moi, ce que je pense que Rockstar, ils ont fait, ils s'en battent les couilles de faire des annonces, ils s'en battent les couilles de faire plaisir aux joueurs. Ils ont utilisé le nom GTA pour faire une annonce et pour couvrir le bruit de tous leurs échecs des mois passés. Donc en fait, c'est. Enfin, tu vois, et dans leur annonce, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on ne savait pas déjà. C'est-à-dire, qui ici va me faire croire que il vient d'apprendre que la suite de GTA V est en cours de développement? Tout le monde le sait, c'est leur boulot, c'est un studio de jeux vidéo, ils font du développement de jeux vidéo. S'ils sont pas en train à l'heure actuelle de développer GTA 6, ils sont en train d'enfiler des perles, tu vois. Donc je trouve ça ridicule ce qui s'est passé, et je trouve ça ridicule cette annonce en fait. Donc encore en stage, donc la semaine est longue et crevante, d'accord, ouais, la Ranja, je comprends. Ils abandonnent RDO sans clairement le dire en fait, le nombre de bugs qui sont présents en ce moment, ouais, sans qu'ils soient corrigés, c'est ahurissant. Ouais, je sais pas s'ils abandonnent RDO, la Ranja, mais en tout cas, clairement et indépendamment de ce qu'ils sont en train de faire, le fait qu'ils refusent de communiquer, pour moi, c'est ça le principal problème. C'est qu'à l'heure actuelle, les joueurs, la fanbase, les mecs qui font leur gagne-pain quand même, tu vois. Parce que c'est nous qui achetons les jeux, c'est nous qui consommons les jeux, c'est nous qui payons nos abonnements pour jouer, etc. C'est nous qui potentiellement achetons des shark cards ou des lingots d'or sur Red Dead. C'est nous qui faisons vivre Rockstar. Et ils ignorent complètement leur communauté. Tu vois, je veux dire, ils pourraient nous dire, oui, on est en train de décommissionner Red Dead petit à petit. Moi, je préférerais qu'ils me disent ça, tu vois. Parce qu'au moins, je sais que je ne suis pas en train d'attendre pour rien. Ou alors qu'ils nous disent non, non, les gars, on a des problèmes en ce moment à cause de ci, de ça, de pénurie de cartes graphiques, du fait que blablabla, tout ce que tu veux. Ou alors on est occupé au développement de GTA 6, désolé, on va mettre RDO entre parenthèses pendant les 6 prochains mois. Je préfère, mais quelque chose, tu vois, qui au moins nous, enfin, voilà, nous permettre de savoir. Là, ce qui s'est passé, en gros, le mouvement Save Red Dead Online, pour moi, c'est un mouvement, c'est au secours. C'est la communauté, c'est j'en peux plus, j'en ai marre, on sait pas quoi faire, on sait plus sur quel pied danser. Au secours, Rockstar, dites-nous quelque chose. Et Rockstar, leur réponse à ça, c'est... Ah ouais, vous nous cassez les couilles avec votre putain de hashtag Save Red Dead Online, on va vous glisser un petit... GTA 6 est en développement. Ça va faire, ça va mettre le feu sur Twitter, et comme ça au moins vous allez nous foutre la paix et on va plus vous entendre. C'est exactement ce qui s'est passé, hein, franchement, pour moi, je vous le dis. Bref.